Je réponds ici aux questions que les lecteurs de Heidegger devraient vraiment se poser. Elles se trouvent à page 235 du livre de Stéphane Domeratsky, Nouveaux essais sur l'entendement inhumain, Heidegger et sa solution finale. C'est le deuxième tome de cette recherche. Je réponds en tant que lecteur. Première question. Le design concerne-t-il toute l'humanité ou bien la mortalité authentique n'est-elle réservée qu'à quelques-uns, les autres, entre guillemets, crevant dans l'éternité et toujours, entre guillemets, meurent-ils? Le design que Heidegger crée pour s'en sortir des questions qu'il lui pose Descartes avec le cogito, avec le subjectum, ne concerne pas toute l'humanité, parce que il y a ceux qui ne sont pas concernés par les signes des designs, et néanmoins par le da, par l'orschaft, par la localité, par le monde, par le champ. Il y a donc l'humanité du design et l'inhumanité de ceux qui ne sont pas design. Cela s'appelle antisémitisme. C'est la théorisation du design qui ici et là c'est aussi écrit en allemand. Allemand. Meurt-il et pose la question Domeratsky à Heidegger, là où il dit, il se demande si les Juifs dans la Shoah, ils sont péris ou ils sont morts. Ils n'auraient pas vécu la mort et donc ils ne sont pas morts. Bien sûr, c'est un échafaudage de couverture pour poursuivre à les faire crever dans l'éternité, pour poursuivre le massacre. Il y a une technique particulière pour ce massacre qui, dans ses œuvres, nous trouvons. C'est cette sorte d'engrenage entre le premier commencement et l'autre commencement idéal. Mais voilà. Pour ce qui concerne la question, j'ai répondu non. Le design Heidegger concerne seulement les Allemands. Il y a quelques petites ouvertures pour les Russes, sûrement pas pour pour les Américains, pour les chrétiens, pour les juifs. Et pour tous ceux qui retiennent qu'ils ne soient pas allemands. Merci.